2024 sera l'année d'Ethereum et c'est Layer 2. En effet, dans cette vidéo, on va traiter cette thématique et ce narratif qui, selon moi, est plus qu'explosif. On va pouvoir en profiter très prochainement avec un afflux de liquidité, des opportunités, du coup, de crypto-pépites qu'on partagera bien évidemment, mais aussi des opportunités d'airdrop, des opportunités de node. Tout cela sera traité dans cette vidéo. Et pour encore plus la compléter, j'ai décidé d'inviter le Composite Man pour tout ce qui sera l'aspect technique et crypto-pépites. Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien sur le Composite Man. Donc, Merci beaucoup d'avoir accueilli et invité pour cette première vidéo sur ta chaîne YouTube. Donc je vais essayer vraiment d'appuyer tes propos avec l'analyse technique, vous savez hein c'est un peu ma spécialité donc on va vraiment essayer d'appuyer un maximum pour bien sûr effectuer une belle performance mais vraiment optimiser ses entrées. Car bien sûr c'est intéressant de faire un x fois 3 x fois 4 x 5 mais pourquoi se priver d'un x 20 x 30 C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être un peu mon rôle aujourd'hui. Exactement, sans plus tarder on va pouvoir commencer. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je vous invite à récupérer vos formations offertes dans la description, de mettre un petit commentaire et de vous abonner, car, dorénavant, le dimanche et le mercredi à 17h, on vous balance des vidéos remplies de plus-value. Oui, on a changé les dates des vidéos, mais bon, ce sera toujours deux vidéos par semaine. On va commencer par le premier chapitre de cette vidéo qui n'est autre que l'ETF Ethereum et sa mise à jour qui devrait être les événements les plus catalysants de cette année 2024. laissez-moi vous dire que ce qu'on a eu avec notre fameux Bitcoin et cette mascarade autour des ETF, oui, l'ETF qui a été demandé par BlackRock, qui a été refusé trois fois avant d'être finalement accepté en en janvier 2024 il s'avère qu'on a quelque chose assez similaire du côté d'Ethereum avec des entreprises comme Arc, Vanek, Grayscale, Fidelity mais aussi BlackRock qui vont nous proposer leurs ETF autour d'Ethereum. Et selon les deadlines de la SEC, pour vous la faire simple, on devrait avoir quelque chose qui devrait arriver en 2024. Selon des estimations, on pourrait avoir un ETF Ether d'ici mai à juin 2024. Autant vous dire que si on a le même play que ce qu'on avait sur Bitcoin, on pourrait avoir un Ether qui ne cesse de s'apprécier au cours du temps jusqu'à l'approbation. Parce que oui, l'approbation d'un ETF n'est pas forcément le moment où ce sera catalysant, mais plutôt tout ce qui va précéder l'événement final de l'acceptation de cet ETF. Donc pour cela, Ethereum, selon moi, est un bon bet pour cette année 2024. Sans vous rappeler d'ailleurs que Ether est en sous-performance par rapport à Bitcoin, mais on reviendra sur cet aspect technique. On va demander donc au Composite Man si l'Ether devrait surperformer le Bitcoin par rapport à la charte et d'un point de vue technique plus que fondamental. Ok, excellent. On le connaît maintenant sur le graphique d'ETHBTC, tout simplement Ethereum contre le Bitcoin. et On voit qu'on a clairement une jolie structure aussi. Un petit rappel rapide, ça dure quelques heures. Vous savez très bien, le marché ne peut pas monter en ligne droite de manière infinie. On doit à chaque fois avoir des retracements, ok? Des retracements et on revient toujours où dans un bloc baissier, dans le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Là, on voit bien qu'on a eu le dernier mouvement baissier. Donc, euh, à ce niveau-là, le mieux c'est vraiment de revendre ses actifs pour les racheter dans le bloc baissier. Donc, on revend où ça, c'est vraiment extrêmement important. On revend dans un bloc haussier. Donc, pour résumer, on revend dans un bloc haussier pour racheter où dans un bloc baissier, tout simplement. Ça nous permet vraiment d'optimiser nos entrées. Et si vous voyez nos différentes vidéos hein, sur nos différentes chaînes YouTube, à chaque fois vraiment on arrive à optimiser nos entrées grâce au smart money concept et grâce à l'optimisation tout simplement car comme j'ai dit au début de vidéo intéressant de faire un fois deux fois trois x 4 mais le mieux c'est vraiment d'essayer de, d'optimiser de, un maximum et de ne pas se priver des fois 20 x 30 et beaucoup plus durant le boulot run très bien donc ici ETH BTC on a clairement une structure haussière donc on a ce qu'on appelle des lots ok de plus en plus haut donc on a chaque fois des lots donc les lots hein, c'est les points bas qui sont de plus en plus haut et on a les points hauts donc les high de plus en plus haut donc on a des points bas qui sont chaque fois de plus en plus haut avec de très jolies cassures et on remarque quoi donc, si vous vous rappelez hein, vous on vous ai dit qu'on nous revendait dans un bloc haussier donc là c'est le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière et on est venu le casser. Donc on est clairement passé haussier. Donc si vous avez bien suivi, on attend un retour dans un bloc baissier. Donc le bloc baissier c'est celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Donc je m'attends clairement à une accumulation très proche de cette zone. Et je peux même sélectionner l'imbalance comme ceci. Donc voilà, cette zone-là est extrêmement intéressante. Je vais la mettre en couleur pour que vous puissiez mieux la visualiser. Je m'attends à une accumulation, donc une explosion vers le haut à partir de cette zone-là. Donc je rejoins totalement les propos d'Iliès. On est clairement haussier. En tout cas, voilà. Euh, l'Ethereum surperforme le bitcoin. Ça c'est clair. On peut également aller en plus petit time frame. Donc, par exemple, on remarque qu'il y a deux choses extrêmement importantes. Donc déjà, on a une très belle zone de QH. Donc c'est une zone de QH, hein, c'est une zone de liquidité. Ça agit un peu comme un aimant sur le marché. On est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. Comme vous savez, c'est la SmartPoney qui contrôle le marché de A à Z. Donc elle ne vient jamais créer de zone de liquidité pour le plaisir, pour faire joli. Donc cette zone-là va clairement être liquidée. Très bien. En plus de ça, on vient créer ce qu'on appelle une autre zone de liquidité. Donc ce qu'on appelle une zone de QL, OK, car ça a lieu en dessous du cours actuel. la zone de QH, c'est au-dessus du cours actuel. Donc on a une belle zone de QL qui a liquidée. OK, Alors, elle était liquidée. On a été liquidée qu'à sauver le haut donc voilà en cas de formation de structure haussière ce serait vraiment la validation d'une accumulation et qui dit accumulation dit mouvement haussier pour venir liquider la zone de QH et effectuer des plus hautes simplement merci le composite man pour ces explications autant vous dire que la fondamentale nous montre que l'Ethereum devrait performer la technique aussi tout est au rendez-vous mais laissez-moi ajouter un dernier événement catalysant pour cette année 2024 qui n'est autre que la mise à jour EIP484 cette mise à jour devrait améliorer du coup la scalabilité terres au niveau de ces layers 2 ça va permettre au layer d'être beaucoup moins cher et selon certaines estimations on devrait voir des réseaux comme Optimism passer d'environ 40 centimes de frais pour faire un swap sur un échangeur décentralisé tel qu'unisop à 4 centimes ce qui est littéralement révolutionnaire et vous le voyez dans le lot ce qui va en profiter le mieux c'est tous les projets zéro knowledge et on va en partager au niveau de ces crypto pépites ne vous inquiétez pas mais cet événement et cette mise à jour qui devrait arriver dans l'année 2024 et pour être beaucoup plus précis elle vient d'arriver en test net donc sur un réseau de test on est en train de tester la mise à jour on devrait la voir sûrement sur le réseau Ethereum Mainnet, le réseau principal d'ici juin 2024 ou un peu avant. Ceci étant dit, en voyant des événements catalysants, ça devrait attirer beaucoup de monde, surtout que vraiment des frais aussi peu chers pour le coup, ça risque de changer beaucoup de choses et c'est un événement qui va être catalysant pour cette année 2024 et surtout pour les Layers 2 parce que pour Ether, on a surtout les ETF qui vont être cool et pour les Layers 2, on a surtout du coup cette mise à jour qui va littéralement réduire les frais. Voilà, c'était vraiment la petite aparté que je voulais faire sur l'ETF, Ethereum et ses Layers 2 pour l'année 2024. On va pouvoir rentrer dans les crypto-pépites et les projets qui vont m'intéresser le plus. Et on va commencer tout simplement avec Optimism et Celo. Il n'y a plus besoin de présenter Optimism, bien évidemment, parce que j'en ai déjà parlé sur une vidéo de la chaîne YouTube. Optimism qui était un projet très bullish du fait qu'il y avait énormément de gens qui allaient intégrer leur réseau de super chain. Je vous rappelle, les chains, qu'est-ce que c'est C'est toutes les blockchains Layer 2 qui sont basées sur le OP Stack. Le OP Stack, qu'est-ce que c'est C'est la boîte à outils que Optimism met à disposition à tout le monde pour développer leur Layer 2. Et parmi toutes ces blockchains-là, je vous avais dit qu'ils avaient conquis le cœur des plus gros de cet écosystème comme Coinbase avec leur layer 2 BASE ils ont aussi conquis le cœur de Binance avec leur blockchain layer 2 au PBNB ils ont aussi conquis le cœur de Bybit avec leur blockchain MENTAL bref ils ont aussi conquis le cœur de METIS ZORA et ainsi de suite même Worldcoin auquel okay, la crypto-monnaie du monde est développée par la même entreprise qui a fait ChatGPT utilise le Optimism Stack c'était vraiment un argument qui selon moi faisait que Optimism était très solide et quand on regarde au niveau de cette image qui nous donne vraiment un aperçu de tout ce qui devrait sortir sur Optimism ça laisse vraiment un très bel avenir pour ce projet-là. Entre Celo, qui était une layer 1 à l'heure actuelle, qui se reconvertit en layer 2, et on va en parler parce que Celo, c'est très intéressant, il y a eu pas mal de mises à jour qui m'ont intéressé, mais aussi g la même équipe qui est derrière Rabi Wallet, un wallet concurrent à Ethereum, pour le coup concurrent, mais aussi d'autres blockchains un peu moins connus comme Aevo, Altlayer et plein d'autres qui devraient arriver. Bref, Optimism a conquis le cœur de tout le monde et ne va cesser du coup de conquérir le monde. Et Optimism ne va pas s'arrêter de conquérir du coup les projets. En plus, la mise à jour devrait faire nettement réduire les frais sur ces réseaux-là. Ça va être simplement un plaisir d'utiliser ces layers 2 et ce que permet la technologie d'optimisme de développer. Je vous avais même fait un point au niveau de la tokenomics qui, selon certains, était mauvaise, mais je vous l'avais dit, étant donné que beaucoup de tokens n'allaient pas être débloqués dès à présent, beaucoup de tokens n'allaient pas être vendus à ce prix-là, bien évidemment. Je vous l'avais dit, Optimisme avait de quoi repartir. Et on l'avait évoqué du coup autour des 1,20$, 1,30$. Est-ce que c'est trop tard pour le optimisme bah, je vais laisser tout simplement notre ami le Composite Man nous répondre. Ok, parfait, donc on est sur le graphique d'optimisme, ce n'est pas du tout trop tard. Au contraire, on passe selon moi la vidéo vraiment au meilleur moment, car on voit actuellement hein, si vous vous rappelez hein, ce qu'on a vu en début vidéo, on achetait toujours dans un bloc baissier donc on arrive parfaitement dans le bloc baissier donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ok, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière également. Très important la structure, on remarque que l'on a clairement des lots donc des points bas qui sont de plus en plus haut. Donc tant qu'on vient pas casser le dernier lot protégé hein, qui est celui-ci, on est toujours extrêmement aussi Très bien également en plus petit time frame donc pour vraiment optimiser nos entrées car le but c'est vraiment d'optimiser lorsque nous étions ici. On avait deux très belles zones de liquidité comme d'habitude. Bien, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes concepts. La zone de QH, également la zone de QL. Donc, on va voir ça ensemble. Je un petit schéma. Donc, ici, on a deux zones de liquidité. Donc, dès lors qu que l'on vient taper plusieurs fois au même niveau, au-dessus, c'est une zone de QH et en dessous, c'est une zone de QL. Si nous sommes haussiers, on a une plus grosse probabilité de venir liquider les EQL puis ensuite les EQH. Alors que si nous sommes baissiers, EQH puis EQL, tout simplement. C'est exactement ce que l'on a eu sur notre graphique. Donc, si je vais en daily, par exemple, vous remarquez on remarque qu'on avait une zone de QH, une zone de QH pardon, et une zone de QL. Nous avons venu liquider la zone de QH en premier lieu puis la zone de QL. Donc là, il y avait déjà un pourcentage de plus de 32% à venir récupérer de manière extrêmement simple. Encore une fois, on optimise un maximum nos entrées. Très bien. Donc, également, actuellement, on vient de liquider une très belle zone de QL. Donc, qui dit liquidation de la zone de QL dit potentiel de réaction haussière. Il faut vraiment rester extrêmement attentif. C'est vraiment à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Soit nous avons une continuation baissière et tant pour nous pour acheter vraiment beaucoup plus bas. Ou soit on a vraiment la continuité haussière et la création d'une structure haussière avec, comme on a dit précédemment, des lots de plus en plus hauts. En tout cas, optimise, très intéressant à suivre. Merci encore une fois pour ces explications. Qui sont très claires, et en parlant de cette baisse qu'on a eu sur l'optimisme, elle a été parfaitement partagée sur la chaîne GLZ Trading, notre chaîne spécialement dédiée à l'analyse technique. Et tous ceux qui sont fervents et friands du coup de cette analyse technique et ces mouvements qu'on peut trader de manière journalière, la chaîne du Composite Man et le compte Twitter devraient vous satisfaire car là-bas, vraiment, on partage d'excellentes informations et de positions qui peut être, ma foi, fort intéressantes. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. Toujours dans cette section optimisme et cello, on a le cello qui est intéressant. Cello qui avait fait le choix de devenir une layer 1 est revenu sur pas. Elle a décidé dorénavant de redevenir une layer 2, une couche au-dessus d'Ethereum. Ça change pas réellement le réseau qui est toujours compatible EVM, mais elle vient se rajouter au-dessus grâce à la technologie d'optimisme. Et tout cela, on l'a vu arriver dès juillet 2023. Celo est un projet pour ma part fortement délaissé, une blockchain que je trouve plutôt intéressante, dans le sens où au niveau de la capitalisation, c'est assez faible. Et on a vu des innovations arriver. Notamment, l'une de ces innovations qui m'a plutôt plu, c'est le fait que Centrifuge vienne de se déployer sur l'écosystème Celo. Centrifuge qui est une... Crypto-monnaie plutôt prometteuse dans tout ce qui est RWA, bien évidemment, vous avez déjà entendu parler, mais le fait qu'ils viennent se déployer sur Celo me rend très optimiste. Malgré que la concurrence est rude, et on le voit en termes de tout ce qui est développement, c'est un peu en chute libre du côté de Celo. Bien évidemment, cet argument ne va pas à l'avantage de Celo parce qu'on le voit, il y a un désintérêt complet et total de la part de tous les développeurs et les commit codes qui viennent développer sur cet écosystème. On l'a vu, on est passé de début 2023 à environ 50 développeurs et 1200 commit codes à seulement 20. 29 développeurs pour janvier 2024 et 820 commis de code. Autant vous dire que d'un point de vue développement, ça diminue l'activité. D'un point de vue TVL, on n'a pas de réelle évolution. On le voit, on a eu un pump récemment du CELO sans grand chose. Cependant, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau du volume qui est en train d'augmenter récemment. Depuis novembre 2023, on voit beaucoup d'échanges, mais ça, c'est souvent dû au fait que le prix du token CELO était en plein pump. Cependant, l'aspect technique aussi de ce token m'intéresse en plus de l'aspect fondamental qui n'est pas forcément le plus solide. Et donc, pour l'aspect technique, je vais laisser du... Du coup encore une fois, le composite man nous expliquer parfait. Donc, maintenant, on est sur le graphique du cello. Donc, on va essayer d'augmenter un tout petit peu le niveau. Car la, la, la. Le graphique est vraiment extrêmement intéressant. Donc, on a déjà un graphique qui est extrêmement baissé. Et donc, on a eu un hein, clairement dans une structure haussière, on a des lots de plus en plus haut, c'est-à-dire des points bas de plus en plus haut et des high donc des points haut de plus en plus haut. Dans une structure baissière, on a en fait à chaque fois des high de plus en plus bas, donc des points hauts de plus en plus bas et des lots de plus en plus bas. Très bien. Donc, ici, on est clairement dans une structure qui est baissée. On voit clairement hein, les points hauts qui sont vraiment de plus en plus bas à chaque fois et les points bas qui sont de plus. En plus bas, très bien. Donc, elle est vraiment le dernier point haut. Le dernier point haut, extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, qui a provoqué la dernière chute qui est violente, et celui-ci. Donc, en cas de cassure de ce point haut, on sera vraiment extrêmement haussier. Ok, par contre, on peut déjà commencer à anticiper et acheter avant d'arriver à ce niveau-là. Car du niveau actuel à celui-ci, il y a déjà un faux euh, 700%. Et qui 700% dit x8 Donc, okay, On rappelle, c'est 100% x8, donc on peut déjà entrer beaucoup plus bas. Très bien. Donc, on va chercher une accumulation. Donc, on va chercher une accumulation. Soit on vient créer des EQL, donc taper plusieurs fois au même niveau, puis casse sur vers le bas, casse sur vers le haut, ce qu'on appelle une accumulation, ou soit comme on a vu précédemment, en fait, des lots qui sont de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts. Donc la création d'une structure haussière. C'est exactement ce qu'on a actuellement. On a des lots qui sont de plus en plus hauts. Donc ça commence à devenir vraiment extrêmement pertinent. Ici, je vais en trois semaines. Ok, tu as frame trois semaines. Je remarque qu'on a un très joli mouvement baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et un petit type, c'est extrêmement intéressant. Dès lors que le mouvement baissier est composé d'une seule bougie avec un petit corps, donc on remarque ici un petit rectangle rouge et une très belle mèche. On voit une belle mèche hein, qui est plus grande que le corps. C'est vraiment une gmail qui est extrêmement pertinent donc dit ce bloc là attendez bien une accumulation l'intérieur et en cas d'accumulation ce serait potentiellement je dis, potentiellement intéressant d'acheter si et seulement si on a une accumulation ok Après, bien sûr le but hein, c'est d'acheter le plus bas possible donc si on chute encore tant mieux pour nous très bien également on, on a dit précédemment que l'on revendait dans un bloc haussier donc on remarque ici on a le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. en plus un composé d'un petit corps avec une très belle mèche ultra important donc le jour où ces lots viendront potentiellement à ce niveau là on pourra encore plus optimiser car en cas de distribution Création de QH casse vers le haut, casse le bas, on pourra revendre pour essayer d'acheter plus bas. Certains diront ça ne change pas trop grand chose. Regardez bien entre les EQH et les EQL, il y a un 60%. 60% vous insistez à faire le calcul. Si vous faites ça sur l'ensemble de votre portefeuille, vous pouvez très bien vous voilà, transformer en x3, x4, en x9, x10, x11. Donc un, un, absolument pas du tout négligé. Excellent, et j'aimerais même rajouter le fait que CELO a été délaissé pendant un certain nombre de temps. Et on a l'habitude que la plupart des projets, généralement, arrivent à rattraper le retard qu'ils ont. Autant vous dire que le bloc baissé à l'origine de la dernière impulsion baissière a été comblée sur le Bitcoin, sur l'Ether et je pense aussi que sur le Celos ça peut être pertinent de revenir dans cette zone là malgré que la fondamentale ne prête pas à cela mais je vous l'ai dit l'arrivée de Celos sur l'OP stack pourrait être très intéressant et causer des surprises mais pour le coup j'ai vraiment des convictions que pour ma part on reviendra minimum dans ce bloc là et comme vous l'a montré le Composite one, on parle ici d'un minimum 6 car 500% à 700% maximum en fonction de ce qu'on aura dans ce bloc là maintenant qu'on a fait le point un peu sur Celos et Optimism, on va pouvoir passer à la deuxième projet très bullish dans l'écosystème des Layer 2 qui n'est autre que Arbitrum. Et sur Arbitrum, j'ai pas mal de choses à vous dévoiler. Avant de clôturer cette section sur tout ce qui est optimisme, OPStack et Celo, j'aimerais aussi vous parler du Chroma Network qui utilise le OPStack et aussi qui utilise la technologie du Zero Knowledge. C'est une blockchain ZK-EVM avec des optimistiques roll-up. Tout ça, c'est un peu barbare. Tout simplement pour vous le dire, j'en avais parlé en live, il y avait un potentiel airdrop qui allait arriver donc on a fait les quêtes pour tous ceux qui nous suivaient sur Twitter, liageaz.eth sur Twitter. Vous avez aussi la possibilité d'acheter acheter un node c'est pas réellement un node mais ça fonctionne de manière similaire c'est un nft qui vous rapportera 10 chroma par mois pendant 10 mois autant vous dire que c'est un nft que vous allez pouvoir stacker qui vous rendra éligible à des récompenses de validateur et qui vous rapportera un minimum de 10 chroma par jour en plus du stacking que vous allez faire avec ce nft ce nft sera vendu le 29 janvier à 9h du matin utc donc 10h heure de Paris pour ma part je vais en prendre un c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable bien évidemment mais comme c'est un projet auquel je crois et c'est pas négligeable je pense qu'avec les 10 tokens qu'on va recevoir pendant 10... Mois qui équivaut à 100 tokens, du coup, ça sera plutôt intéressant. Ceci étant dit, jetez un coup d'œil à tout ce qui est optimisme et notamment cette blockchain là et abonnez-vous au Twitter pour ne pas manquer les prochaines airdrop. On va donc passer du coup au deuxième écosystème qui n'est autre que Arbitrum. Arbitrum et surtout le Arbitrum Orbit. Vous connaissez l'OP la boîte à outils pour développer des layers 2 qui a été fait par la fondation Optimisme. On a maintenant du coup Arbitrum Orbit qui est littéralement en fait une technologie plutôt appelée le Nitrotech Stack. Pareil, une boîte à outils pour développer des layers 2 qui seront dans l'écosystème en fait. Hein, vous connaissez c'est un orbit, qu'est-ce que c'est Voilà, c'est une planète. Au milieu, on a Arbitrum. Et autour, on aura toutes les layers 2 qui vont tourner autour. Et parmi les blockchains Arbitrum Orbit, on a eu Xai qu'on a partagé avec un Node et celle blockchain qui est un franc succès. D'ailleurs, en parlant de Xai, on reviendra dessus. Mais en tout cas, Arbitrum devrait driver beaucoup de monde. Et on l'a vu récemment avec le rallye haussier de ce token-là, qui n'est autre que le Arbitrum. Du fait qu'on a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'utilisation. Et surtout, l'arrivée des Arbitrum Orbit qui est en train d'être un succès colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont un peu de retard par rapport à la concurrence. Mais c'est normal parce que Arbitrum est sorti après Optimisme. À l'heure actuelle, on a plusieurs Orbit Chain comme Xai qui est déjà sorti, mais on a Itopia qui devrait arriver, Parallel Network, Frame, Sanko Games, Rari Chain. Je vous invite à vous renseigner sur toutes ces blockchains là. On a même d'autres qui devraient arriver, mais pour le coup, on a déjà parlé de Xai. On va faire un petit récapitulatif sur Xai parce que c'est très intéressant tous les événements qui arrivent et aussi autour de Parallel. Parallel, je vous en parle parce que c'est pas trop tard, il y a encore des opportunités. Du coup, Parallel, c'est un projet assez innovant et avec un potentiel airdrop. Du coup, c'est une layer 2 basée encore une Fois sur la technologie d'Arbitrum. Et pour vous montrer, l'application est très bien faite. On peut y faire énormément de choses que ce soit du landing, du stacking et plusieurs applications qui sont disponibles. Mais surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les quêtes avec un potentiel airdrop, avec des points à venir récupérés, simplement avec site Galaxy, avec des quêtes comme follow le compte Twitter, avoir un rôle dans un Discord, rejoindre une communauté Telegram, retweet. Enfin bref, vous connaissez tout ça. Je vous invite du coup à vous renseigner. Je vous mettrai ce tweet-là. Vous pouvez regarder, vous tapez Ojin airdrop et vous tapez le guide du coup parallèle et vous allez pouvoir du coup effectuer. Il vous donne les réponses au questionnaire, il vous donne vraiment tout, ça peut être très intéressant et c'est une layer 2 arbitre qui pourrait pas mal récompenser en termes drop Pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce qu'ils n'ont pas de token, mais je trouve que c'était important de vous parler de ça. Pour revenir sur le Xai, c'est aussi une layer 3 qui est très intéressante. Dans un narratif des layers 2, layer 3, du coup des solutions de scalabilité Ethereum qui est intéressante, mais aussi dans un narratif de gaming. Xai est une blockchain qui va être intégrée à Binance en termes de retrait. Pour vous la faire simple, sur Binance maintenant, toutes les personnes qui sont sur Binance vont pouvoir retirer des crypto-monnaies directement sur le Xai Mainnet. Autant vous dire que ça, tous les noobs qui ne savent pas utiliser des bridges, etc., vont être ravis de voir qu'ils peuvent simplement retirer depuis Binance. Et ça, du coup, ça va driver de l'adoption et des liquidités sur l'écosystème. De plus, février, il y a énormément d'applications qui devraient se développer. On a Camelot qui a annoncé leur partenariat avec Xai qui va se développer sur la blockchain Xai. On a eu notamment les crypto unicorns qui sont développés sur Xai, qui sont partis littéralement de Polygon pour venir sur la blockchain Xai. On a aussi du coup Camelot qui est un échangeur décentralisé. Et comme je vous l'ai dit, Binance littéralement qui a complété la mainnet intégration. Donc on va pouvoir déposer dorénavant et même bientôt retirer. Et c'est pas anodin de voir que c'est une blockchain de l'écosystème Arbitrum qui est intégrée directement sur Binance. Voilà donc. Et d'un point de vue technique, XAI, ça me paraît plutôt intéressant. Certes, on n'a pas beaucoup d'historique. En termes de market cap, c'est plutôt faible. Mais je vais laisser notre ami le Composite man, encore une fois nous aiguiller d'un point de vue technique. Ok, donc on est sur XAI, hein, donc XAI USDT simplement. Donc on remarque qu'il n'y a pas énormément d'historique hein, par rapport aux crypto-monnaies précédentes. Mais on peut quand même faire une petite analyse. Ok, donc on voit qu'on a clairement toujours la même chose, un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion aussi. Donc, selon moi, si on vient casser vraiment ce point bas, on aura vraiment une très belle chute qui aura lieu directement en conséquence. Très bien. Donc, sinon, on a une structure baissière. Donc, on est venu ici créer une structure baissière avec des highs de plus en plus bas okay, et des lows de plus en plus bas. On est venu ici très récemment casser ce dernier plus haut. Okay. Donc, c'est vraiment un joli signal haussier. On a une belle hausse qui pourrait clairement être confirmée ces prochains jours, ces prochaines semaines, tout simplement. Voilà. Donc, pour le XAI, c'est excellent. Ce qui est d'autant plus excellent, c'est le fait qu'on ait partagé ce projet-là et surtout qu'on ait partagé le node, qui est la chose la plus rentable que j'ai pu. Faire dans cette année 2024 et même 2023, car le node en un mois, après un mois d'utilisation, a réussi à me générer 1500 xai Comme j'ai deux nodes, il y a celui-là avec 1500, un autre avec plus de 2000 Xaï, autant vous dire que c'est plutôt excellent. On rajoute à cela l'airdrop, c'est un truc de fou. Mais n'oubliez pas, Xai aura une saison airdrop numéro 2. Donc on aura l'opportunité d'avoir un airdrop une deuxième fois. Est-ce qu'on a les critères On ne les connaît pas. Pour le coup, est-ce que avoir un node sera un critère Pourquoi pas? Pour le coup, je pense que les critères seront beaucoup plus sélectifs et seront plus. Basé sur du stacking qui devrait aussi arriver. Car oui, il y a du stacking qui arrive sur l'Oxite, il y a aussi des jeux vidéo qui vont être développés. Enfin bref, on est vraiment au tout début de ce projet-là. Et d'un point de vue layer 3 de ce narratif Ether, mais aussi d'un point de vue narratif gaming, c'est excellent. Mais j'aimerais faire un petit point aussi sur Arbitrum, car d'un point de vue graphique, j'aimerais voir ce que ça donne. C'est vrai que d'un terme market cap, ça me paraît quand même énorme comme projet, mais on n'oublie pas, Arbitrum, c'est un projet qui est plus utilisé que Solana. Solana, il suffit de regarder le market cap de Solana, bah Arbitrum est bien inférieur. Et Arbitrum, c'est plus de TVL, donc plus d'argent bloqué que Solana, c'est plus d'adresses et plus de transactions que Solana. En tout cas, je voulais vous faire un petit point malgré que la tokenamique soit horrible et que d'ici mars 2024 on devrait avoir un déblocage. Je ne pense pas que les VC vont dump leur token ou quoi que ce soit. Mais voilà, on va dans tous les cas faire confiance à l'analyse technique de nouveau. Ok parfait, donc on a présent sur Arbitrum. Ok, donc Arbitrum TTR tout simplement. Donc voilà, selon moi, Arbitrum c'est comme optimisme. C'est mon avis personnel, mais je pense clairement qu'on peut viser 1 x 10, ce que ce soit sur Arbitrum, sur optimisme, etc. Ok. Seulement vraiment, si on arrive à optimiser nos entrées, actuellement on est vraiment euh, voilà, à des, à des moments vraiment à des niveaux extrêmement, extrêmement intéressant. Très bien. Donc, Arbitrum, toujours la même chose. On arrive vraiment dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, j'attendrai vraiment une accumulation dans cette zone. Donc, en cas d'accumulation dans cette zone, ce n'est pas un cours d'investissement, mais j'ai très, vraiment pas mal de liquidité. Très bien. Donc, en allant en plus petit time frame, on remarque que l'on a une structure haussière. Pour rappel, encore une fois, hein, c'est des lows de plus en plus haut et des highs de plus en plus haut. Donc, on a clairement à chaque fois notre nouveau low. Okay Donc, on a un, un plus bas ici. Je vais le mettre en rouge pour que ce soit plus visible. Ce point bas, ce point bas, ce point bas, ce point bas, bas. Et récemment, il a été cassé. Okay donc, grossièrement, il a été cassé. Donc, qui dit cassure dans l'eau protégée, dit potentiel chute. Donc, vraiment euh, à suivre euh, ces prochains jours, ces prochaines semaines. On est également dans un bloc aussi intéressant. Donc, le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc, seulement, il y a vraiment deux possibilités. Soit on vient directement effectuer une chute à partir de ce bloc haussier. Ce serait vraiment un bon moment pour attendre une accumulation et ensuite entrer en position. Ou soit directement hein, casser le bloc haussier sans effectuer de retracement. Créer une structure haussière avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus, plus hauts. Ce serait vraiment un très très bon moment pour entrer tout simplement en position. En tout cas, je ne serais pas du tout du tout choqué euh, courant 2025 on puisse vraiment atteindre les 20 dollars sur Arbitrum. Merci encore une fois. Voilà, maintenant vous savez que sur Arbitrum on est au No Man's Land, pas grand chose à faire à l'heure actuelle. Il n'y a aucune structure définie dans le sens où on a ni accumulation ni cassure d'un high majeur, donc a priori il n'y a pas grand chose à faire. Pour le XAI, on est toujours dans le début d'une structure haussière, donc ça me paraît un peu plus intéressant. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est de participer dans des airdrops, que ce soit au niveau de XAI, au niveau de parallèle, mais dans tous les cas, on partagera plus d'informations. Pour le coup, je Pense que Arbitrum va beaucoup profiter aussi de cette mise à jour et de cet afflux de liquidité car Arbitrum est le layer 2 dominant. Pour vous donner un ordre d'idée, un projet qui a lancé un airdrop en mars 2023. Avant mars 2023, c'était assez peu utilisé, mais c'est pour ça que j'aime bien dire que Arbitrum a moins d'un an. Mais pour le coup, Arbitrum a réussi à faire pas l'impossible, mais à s'introduire en tant que leader. Oui, à l'heure actuelle, Arbitrum en termes de valorisation, en termes de TVL, en termes de protocole développé, c'est au-dessus de Solana pour le coup et au-dessus des meilleurs layer 1. Et c'est pourquoi cette Année 2024, je vais encore capitaliser sur les layers 2 car les layers 1 ont eu leur moment de gloire. On a vu des Solana passer de 8 dollars à 100 dollars en 2023. Est-ce que quelqu'un s'y attendait? Non, personne. On a vu des NIR passer de 1 dollar à 4 dollars en 2023. Et là, pour le coup, pour les layers 2, à ne pas négliger. Maintenant, on va donc passer à notre troisième crypto-pupit et notre écosystème qui n'est autre que Manta. Manta qui est une layer 2 assez particulière parce qu'il s'agit aussi d'une parachain Polkadot. Enfin, bref, il y a pas mal de choses à dire, mais ils ont fait des ravages et notamment au niveau de leur opportunité à drop qu'on a encore une fois partagé sur cette chaîne youtube oui manta a été partagé généreusement sur cette chaîne youtube et aussi de manière assez tôt parce que là grâce à manta j'ai réussi à recevoir 166 tokens gratuitement et comme vous le voyez à l'heure actuelle manta est coté à 373 donc il suffit d'avoir déposé un ether hein, j'ai déposé un ether et c'est pas la seule chose que j'ai gagné mais j'ai déposé un ether j'ai pu ouvrir des boîtes j'ai même pas invité des bonnes personnes parce qu'il y avait un système aussi de si j'invitais une équipe qui déposait beaucoup j'avais plus de boîtes pour le coup moi on n'a même pas dépassé le grade des deux ethers déposés j'ai quand même réussi à avoir des récompenses conséquentes 166 tokens manta qui équivaut à 618 dollars alors ça veut dire que de décembre là où j'ai partagé l'opportunité à maintenant j'ai réussi à faire 618 dollars avec un simple airdrop mais ces tokens là ne s'arrêtent pas là parce que pour ma part je vise minimum les 10 milliards de market cap totalement dilué avant de vendre quand je compare à toutes les autres layer 2 vous le voyez manta est vraiment sous-évalué parce que à seulement 3 milliards on le voit comparé à leurs concurrents c'est très minime quand je compare aussi à Celestia qui lui est capitalisé presque à 20 milliards un peu moins maintenant je pense que Manta n'est pas forcément sous-évalué mais qui a du potentiel dans le moteur, honnêtement, et c'est pour ça que sur ce token là, je vais viser les 10 milliards de market cap. Et pour le coup, ce airdrop là m'a apporté 166 tokens Manta, mais aussi 0,4 Ether. Car oui, j'ai réussi à avoir le NFT Gold que j'ai pu vendre à 0,4 Ether. Autant vous dire que, encore une fois, les airdrops c'est hyper rentable. Je vous ai fait une formation chasseur d'airdrop, c'est pas pour rien, les amis. Et je vous mets encore une fois le code à disposition sur l'écran GAZ 2024 si jamais vous voulez vous mettre à farmer des airdrops dès à présent. Et des opportunités qui seront beaucoup plus grosses que Manta. Je vous partage mon plan pour passer de 1000 à 100 000 avec les airdrops. Dans cette formation-là. Ceci étant dit, c'était l'instant promo, mais tout ça pour vous dire que Manta est une layer 2 incroyable, car assez peu capitalisée, basée sur une technologie, encore une fois, de Zero Knowledge. Et je vous l'ai dit, tout ce qui est basé sur le ZK va bénéficier de frais beaucoup moins chers dès lors de la mise à jour EIP 4844. Et aussi, pour compléter sur Manta, une TVL énorme, grâce du coup à leur fameux A-Drop. c'est aussi un projet qui est disponible sur l'écosystème Polkadot. Polkadot, selon moi, est un excellent projet, avec tout ce qui s'en vient sur cet écosystème. Avoir une parachain, ok, qui s'appelle Manta Atlantique », Devrait être intéressant. Il y a même un mécanisme de stacking sur Manta. Cependant, il vous faut 550 tokens minimum. Ce qui fait une somme assez conséquente dorénavant. Mais ces 550 tokens, vous pouvez les staker. Il y a des rendements de fou furieux. Quand j'ai regardé les rendements estimés, j'ai vu des rendements à plus de 50%. Oui, c'est un truc de malade. Donc, vous pouvez aller directement sur l'appli app.manta.network.manta.stake » manta slash stake. Et vous pouvez faire du stacking avec 550 tokens. Et vous allez pouvoir du coup avoir des rendements assez excellents. Vous le voyez ici, il y a un minimum to stake. Donc il y en a ces 1000, il y en a ces 700 et j'en ai vu aussi qui demandaient un peu plus, genre 512 manta. Donc là il y a 100 places maximum, donc elles ont toutes été utilisées. Mais vous le voyez ici. Et d'ailleurs pour les staker c'est un peu une galère. Pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas, vous devez avoir des manta sur le réseau manta que vous devez bridger sur le réseau manta atlantique. Enfin bref, mais en tout cas pour des rendements aussi ahurissants et un projet qui devrait exploser, pour ma part, ça vaut énormément le coup. Et du coup, si on revient au plus sérieux, je pense que le manta fera un x3, du coup devrait monter autour des 10$. Pour ma part, c'est la target que je vise, c'est des manta à 10$. Et pour pour mes 166 Manta. D'ailleurs, je vais en recharger. Ça sera du coup pour objectif de viser une performance d'environ 5000 dollars. Pour 1800 investis à l'heure actuelle, je peux m'en sortir avec 5000 potentiellement qu'on aura stocké à 10 dollars. Donc Manta, un écosystème qu'il ne faut pas négliger, un écosystème qui accapare énormément de liquidités, qui utilise des technologies innovantes, que ce soit au niveau du Zero Knowledge de Celestia et surtout un projet très peu évalué comparé à ses concurrents Layer 2. Et il suffit de regarder au niveau du classement des blockchains en termes de TVL et de comparer du coup à la concurrence. Vous pouvez comparer la capitalisation d'Optimisme à Manta alors qu'il y a littéralement presque autant d'argent déployé, enfin pas autant, il y a 300 millions de différence, mais quand on compare à Sui et d'autres, on voit que Manta a quand même l'opportunité d'aller beaucoup plus haut. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de protocoles sur Manta, donc il y a vraiment une marge de progression énorme. Mais bon, d'un point de vue technique, qu'est-ce que Manta nous dit Moi, j'aimerais bien savoir. Ok, parfait, donc on est sur le graphique du Manta, donc c'est pas avec le XAI un peu, voilà, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'historique. On peut toujours remarquer que nous avons simplement la présence d'une structure haussière, donc on a clairement des ou des points bas de plus en plus haut, avec des highs de plus en plus hauts, donc c'est extrêmement intéressant. De plus, la prochaine zone vraiment ultra pertinente, c'est le dernier bloc BCI avoir l'impulsion aussi. Donc si le montant en tout cas revient sous les 3.5 ce serait vraiment extrêmement intéressant pour du long terme. Merci pour cette analyse. Je partage également cette vision là. Si vous avez eu l'airdrop, j'espère que vous n'avez pas vendu. Et pour tous ceux qui attendent, 3.5 pourrait être une bonne zone d'achat selon moi sur le montant. Mais on n'en a pas fini. On a d'autres écosystèmes à visiter et exactement encore deux autres et le prochain est Polygone et Nir, deux projets que j'affectionne tout particulièrement. Deux projets sur lesquels on a beaucoup parlé sur la chaîne YouTube, mais surtout deux projets qui vont révolutionner pas mal de choses. Pour vous la Simple, Polygon 2.0, c'est un truc de fou. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube et ceci depuis l'été 2023. Depuis l'été 2023, on parlait du Polygon. Il y a beaucoup de déménagements, que ce soit un changement de tokenomics, et quand on compare du coup au mastodonte, Polygon encore une fois est sous-évalué à environ 7 milliards de capitalisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'avancée technologique majeure qu'ils ont fait en proposant le CDK. Qu'est-ce que c'est le CDK C'est comme le OP Stack, c'est comme le Nitro Stack. C'est une boîte à outils qui va permettre aux développeurs de créer leur propre layer 2 basé sur la technologie de Polygon. Polygon leur donne le squelette. Mais c'est pas tout. Polygon, c'est une blockchain proof of stake, Polygon Mainnet que vous connaissez à l'heure actuelle, mais aussi une blockchain zkVM. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Avec la mise à jour, cette blockchain-là pourrait beaucoup en profiter. Car en réalité, les frais sur la blockchain Polygon zkVM ne sont pas les plus intéressants. Il n'y a pas réellement d'utilité à utiliser ce réseau-là. Mais comme vous l'avez vu, avec cette mise à jour, ça devrait beaucoup changer. Et l'approche du zero knowledge, qui selon Vitalik Buterin devrait être la solution de scalabilité par excellence pour Ethereum, Polygon a réussi à shifter de ce côté-là, tout en gardant leur proof of stake classique, en aménageant une tokenomics qui devrait du coup driver de la pression d'achat sur le optimisme, tout simplement parce que les validateurs en auront besoin pour le staker et pour pouvoir valider les transactions. Ils en auront aussi besoin pour voter et on en aura besoin aussi pour payer certains frais de gaz. Et cela, on en aura besoin pour toutes les blockchains qui seront basées sur le polygone CDK. Vous le voyez excellemment bien sur ce graphique-là. Toutes les blockchains seront validées grâce au validator de la staking layer, la couche de stacking qui sera power par le token Paul. Oui, c'est bientôt la fin du magic. Enfin, je dirais même que c'est la fin car le token POL ok, ce nouveau ticker, a été enfin déployé. Sur Ethereum, pas encore totalement, mais on devrait avoir le switch complet d'ici cette année 2024. Oui, vous le savez, Polygon a vraiment été un projet qui a su prendre les bonnes décisions dès lors qu'on avait des nouveaux aménagements techniques. Ils ont su prendre le tournant sans rester un peu délaissé, et pour le coup, c'est un projet qui m'intéresse tout particulièrement. Ce qui m'intéresse d'autant plus du côté de Polygon, c'est vraiment tout cela. Leur boîte à outils qui utilise la technologie de NIR. On reviendra sur NIR un peu, mais en tout cas, Polygon, d'un point de vue technologique, c'est assez intéressant au niveau du proof of stake, du Z. KEVM, leur CDK, leur Tokenomics, le nouveau token. Bref, j'en avais déjà fait une vidéo complète, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous avez des articles qui résument très bien ça. Et j'aimerais d'abord me pencher sur le côté technique de Polygon avant de repartir sur NIR et l'intérêt qu'il a dans l'écosystème Polygon. Et donc, encore une fois, est-ce que Polygon Matic à l'heure actuelle est intéressant à l'achat Ok, parfait. Donc, le Matic est vraiment ultra, ultra intéressant à l'heure actuelle. On est vraiment dans une zone vraiment super, super pertinente. Vous allez voir hein, réouvrir le même graphique d'ici quelques mois. Vous allez vous, vous en mordre les doigts hein, si vous ne pas rentrer en tout cas à ce niveau là. Très bien. Donc on remarque qu'on a clairement ici une structure qui est haussière. Donc des lots de plus en plus hauts. Et on remarque que l'on revient à chaque fois dans des blocs baissiers. Donc on a ici le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ce revenu parfaitement à l'intérieur nous avons vraiment anticipé hein, ce mouvement haussier. Ensuite, exposons vers le haut. Ce revenu où Dans un bloc haussier. C'est toujours la même chose. On achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Donc on a acheté ici. Donc dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Nous avons revendu à ce niveau-ci. Et actuellement, la meilleure zone pour acheter, c'est à ce niveau-là. Donc on va admettons Gérer entre les 0,8 et les 0,5, tout simplement. Donc, actuellement, j'attends une accumulation à l'intérieur. Et si je zoome, par exemple, en, en daily, je remarque que l'on vient créer une magnifique accumulation. On vient créer des liquidités, taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Bon, je pourrais même utiliser le rectangle. Une fois, deux fois, trois fois au même niveau. On vient liquider ici et on s'approche très fortement d'une structure, en tout cas, de la cassure d'un high protégé. Donc, tu vas l'accord en plus petit time frame. En 7 heures, par exemple, je remarque que nous avons une structure baissière, c'est-à-dire des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Le prochain point haut extrêmement intéressant se situe au niveau des 0,8 à peu près. Donc selon moi vraiment en cas de cassure de ce high, de la création d'une structure haussière, ce serait vraiment une zone vraiment ultra intéressante pour acheter du match Pourrait très bien bien sûr ensuite avoir une chute, pourquoi pas, ce serait vraiment un cours beaucoup plus intéressant pour nous. En tout cas à ce niveau-ci c'est vraiment ultra intéressant et c'est hein, la même chose, je vise vraiment selon moi minimum 1x10 pour le prochain bullrun. Merci, tout à fait d'accord avec toi. Le polygone à l'heure actuelle, on a la chance de l'avoir dans une zone d'achat avec un market cap plutôt faible et pour le coup comme toi, j'ai des targets plutôt prometteuses autour du polygone. Matic. Ceci étant dit, on va maintenant passer au NIR. Qu'est-ce qu'il a à faire du coup dans tout ce qui est écosystème Layer 2 Je vous l'ai dit, NIR a développé une technologie qu'on appelle une Data Availability Layer. En gros, c'est une couche pour la disponibilité de données. En gros, pour stocker des données, au lieu de les stocker sur Ethereum, on a besoin de solutions beaucoup moins chères. D'où Celestia qui a fait beaucoup de bruit, Manta qui utilise Celestia, mais NIR qui fera d'autant plus de bruit avec leur couche de Data Availability qui est beaucoup moins chère et beaucoup plus intéressante. Comme vous le voyez, et dans ce comparatif, on a la mise à jour prototank Charging qui devrait du coup aménager pas mal de choses. Celestia qui a aussi aménagé pas mal de choses et NIR qui devrait encore plus révolutionner cela. À l'heure actuelle, toutes les blockchains qui vont être développées en utilisant le polygone CDK vont adopter une layer de data availability qui est providée, du coup, mis à disposition par NIR Protocol. Et ils nous le disent très bien dans cet article-là, le NIR Data Availability va permettre aux développeurs de réduire les coûts et améliorer leur roll Tout en gardant bien évidemment cette sécurité qui est garantie par Ethereum. Donc rien qu'à ce niveau-là, quand je compare Nir avec Celestia, vu le bruit que Celestia a fait, je pense que Nir a quand même de quoi rattraper. Mais c'est pas le seul aspect qui est avantageux de la part de Nir Protocol. On avait aussi parlé du fait qu'ils avaient énormément de budget. On a mmh. fait une vidéo complètement dédiée. Mais en tout cas, pour le coup, Nir est très intéressant. Et d'un point de vue technique, je me demande ce que ça vaut. Donc pour le Nir, c'est peut-être selon moi la crypto monnaie parmi les listes que nous avons étudiées aujourd'hui, la crypto la plus intéressante, en tout cas à l'heure actuelle, On est vraiment à des niveaux clés vraiment ultra ultra intéressant. Donc toujours on la structure Baissière, on a des highs de plus en plus bas, ok, et des lows de plus en plus bas. Donc, on a des points hauts qui sont de plus en plus bas. Et selon moi, le prochain point haut ultra intéressant qui vraiment déclencherait un mouvement extrêmement haussier si on vient le casser, ce serait à ce niveau-là, au niveau des 2,26. On voit bien, c'est le dernier mouvement haussier avant la grosse impulsion baissière. Très bien. À l'heure actuelle, on vient créer une accumulation. Donc, c'est extrêmement intéressant. On vient créer des EQL au même niveau. Ces EQL ont été cassés. On a eu une impulsion haussière. En plus de ça, retour dans un bloc haussier. Vous voyez, hein, c'est vraiment toujours, toujours la même chose. Les marchés ont bougé, bouge et bougeront toujours de manière ultra importante c'est pour ça vraiment formez vous de manière ultra sérieuse au smart Money concept ça vous permettra vraiment de vous régaler durant le bull run et d'avoir des performances vraiment incroyables très bien donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion haussière ce qu'on appelle un bloc haussier me revenu parfaitement à l'intérieur et je m'attendais à un retracement nous avons le retracement en cours donc qui du retracement du mouvement baissier c'est exactement ce qu'on a eu je m'attends donc à quoi actuellement une accumulation pour acheter création de QL très bien casseur vers le bas puis casseur vers le haut et on remarque également que la prochaine zone intéressante se retrouve à ce niveau ci ok donc on voit là, vraiment on est vraiment très 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 bas sur le graphique très bien je vais essayer d'aller en plus petit timeframe pour voir si on est une accumulation en cours. En effet, on vient créer des EQL, donc on est venu à liquider. Donc, seulement moi, si on vient, j'ai bien dit, ainsi et seulement si on vient créer une structure haussière, ce serait vraiment une très très belle zone d'achat. Très bien, ne pas avoir ce genre de configuration et avoir une continuation baissière, tant mieux. Ok. Le but, c'est vraiment comme j'ai dit précédemment, d'acheter le plus bas possible. Mais en tout cas, on est vraiment à des niveaux vraiment 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 ultra intéressants sur le Nir. Et je vous avais dit hein, précédemment très bien. Donc, je m'attends clairement à un mouvement haussier sur le Nir. Ok. Donc, ces prochaines semaines, ces prochains mois, et je ne vois pas comment le Nir ne pourrait pas exploser la barre des 50 dollars. Durant ce bull Ok, très optimiste de la part du Composite Man. Pour ma part, sur le NIR, j'ai aussi des targets plutôt optimistes. Et je dirais, pour être un peu plus conservateur que le Composite Man, entre 30 et 50 dollars, ce sont les estimations ici. Pour le coup, on va donc passer au dernier écosystème qui m'intéresse à l'heure actuelle avec des grosses opportunités, qui est l'écosystème de Mental. Voilà, on en a fini pour Polygon et NIR. On passe du coup à Mental. Et Mental, qu'est-ce que c'est Mental, encore une fois, je vous en avais parlé, c'est une blockchain développée sur le OP Stack, mais ne s'appuie pas autant qu'on ne le pense sur la technologie optimiste. Si vous voulez, dans l'écosystème des super chains, on a des blockchains qui utilisent du coup un peu la même structure que la blockchain optimisme de base et le OP stack, comme il est mis à disposition. Et on a d'autres qui utilisent la Optimism virtual machine. Du coup, c'est une autre version du OP stack et qui ne leur permet pas en fait d'être éligible à l'écosystème super chain. En réalité, ils doivent utiliser en fait la dernière version du OP stack. Enfin euh, bref, ça a peu d'importance. C'est juste pour vous dire qu'encore une fois, optimisme est quand même un leader dans tout ce qui est développement de layer 2. Et c'est pas pour rien que leur valorisation est aussi élevée. Ceci étant dit, le mental m'intéresse beaucoup car il est développé par la même équipe qui est derrière Bybit. À la base, le token BitDAO, le token en fait de la DAO Bybit, de l'exchange Bybit, a été transformé en token mental. Et donc, on a eu un airdrop, on a eu aussi un tout nouvel airdrop qui va être disponible. Je vais vous expliquer tout cela. Mais si vous voulez, le token BitDAO a été converti en mental avec un ratio de 1 pour 1. C'est la nouvelle crypto-modèle de l'exchange Bybit, mais aussi une layer 2 qui à l'heure actuelle est valorisée à 4 milliards. Mais il y a plus de 25 millions de mental à à peu près plus de 10 millions de dollars qui vont être injectés pour des airdrops dans cet écosystème mental c'est une blockchain plutôt cool pour l'avoir utilisé c'est une blockchain qui est rapide qui utilise le mental pour payer les frais de gaz donc le mental a une utilité en termes de dao comme l'optimisme mais aussi en termes d'utilité pour payer les frais de gaz et interagir avec l'écosystème. Et récemment, il y a eu un airdrop, mais je vais vous expliquer toutes les modalités. Mental, c'est un peu comme Celo, c'est 100 millions de TVL qui est bloqué dessus, mais c'est surtout une TVL qui est en pleine croissance. Quand on regarde en termes de Mental, il y a de plus en plus d'argent qui vient être déployé sur cette blockchain. C'est du coup sur une tendance haussière. Et pour le coup, je pense que ça ne va pas cesser de croître à partir de là. Ça devrait continuer selon moi. D'ailleurs, l'équipe derrière Mental est une très bonne équipe, pour vous le dire, et surtout une équipe qui devrait pousser le projet. vers vers le haut. En plus de cela, il y a un mécanisme de airdrop. Je vais vous expliquer. Vous le savez, j'ai une chaîne YouTube secondaire il -A -A Z où je partage pas mal de guides et aussi sur le Discord. Et on avait parlé du coup du Mental Journey. Le Mental Journey, qu'est-ce que c'était C'était en fait une saison euh, où vous pouvez accumuler des points en faisant certaines actions. Pour accumuler des points, il fallait interagir avec le réseau Mental. Où tous ceux qui avaient fait des transactions, des swaps, utilisé des applications, ont accumulé des points. On appelait ça le Mental Journey. Et vous pouvez voir les points que vous avez accumulés. Donc, je vous en avais fait du coup un tutoriel complet sur cela par rapport à ce airdrop, et on va enfin avoir nos récompenses. Ça se présentait sous cette forme là du coup, quand on allait dans son profil, on pouvait voir nos MJ miles, et j'ai réussi à accumuler sur ce compte seulement 2900 MJ miles, en un seul compte, j'en ai plusieurs bien évidemment, tous ceux qui seront encore une fois dans la formation airdrop le savent, mais vous l'avez vu, 2900 miles qui vont être convertis en mental. J'ai pas d'estimation à l'heure actuelle par rapport à cela, mais encore d'autres airdrops, je vais, vous a... je vais vous le raconter. Donc ça, on appelle ça le Mental Journey Rewards, donc le 29 janvier, du coup lundi, on devrait avoir nos récompenses, on va pouvoir convertir ces miles là en mental bien évidemment il y aura d'autres saisons bien, ça a été garanti par mental et on devrait voir cela de très près et en tout cas avoir des mental totalement gratuitement c'est intéressant encore une fois dans un narratif de layer 2 qui devrait driver du coup des liquidités de la hype etc tout ce qui s'ensuit on reviendra dans l'aspect technique juste après en plus du mental journey où j'ai accumulé des mg miles d'ailleurs pour cela c'est trop tard il y a un truc qui est encore pas trop tard ça s'appelle les citizen mental nft en fait ils ont lancé une collection de nft une collection totale de nft j'ai regardé sur l'explorer blockchain de 38 000, donc il y a 38 000 NFT avec des variantes différentes. Et Mental avait lancé aussi des autres quêtes, dont j'avais parlé encore une fois dans le Discord, qui est gratuit, que vous pouvez rejoindre dans la description, où on pouvait faire des quêtes et on pouvait gagner des accessoires. Et ces accessoires-là, on pouvait les combiner avec notre NFT. Le NFT classique Mental Citizen, si on regarde sur la collection, est très peu cher, ok Il coûte 50 Mental, à l'heure actuelle 49, ce qui équivaut à un peu moins de 35 dollars, environ 30 dollars. Et à celui-là, on pouvait ajouter des accessoires, comme le bandana que j'ai là. Je vais vous expliquer à quoi servent ces accessoires. Ici, vous voyez, n'ont pas d'accessoires sur la tête et en effectuant les tâches ok on a pu recevoir des accessoires comme le bandana ou euh, un chapeau de dinosaure que vous pouvez voir juste ici et là vous voyez tout de suite que le prix de ces NFT a explosé au niveau de 400 g -Mental. pour le coup mon NFT ninja bandana vaut 225 et je vais vous expliquer pourquoi il vaut cette quantité là ça fait 130 dollars ces accessoires là si vous avez ce NFT avant le 1er février donc euh, je dirais avant le 30 janvier je sais pas si un hein, 31 ou 30 janvier mais avant le dernier jour du mois de janvier avoir ce NFT parce qu'il y aura une snapshot qui sera prise le lendemain et si vous avez un NFT, ça vous rendra éligible à des récompenses. Quelles récompenses Je vous montre, ça s'appelle le Mental Moonshot. Vous devez vous rendre ici et vous allez voir que chaque accessoire correspond à un protocole. Si vous avez le bandana, vous allez avoir des récompenses de ce protocole-là, qui est le protocole Apex. Si vous avez cet accessoire-là, vous allez avoir les récompenses de ce protocole. Si vous avez le casque, vous avez des récompenses de Izumi. Et vous voyez, il y a un détail de toutes les récompenses. Moi, j'ai fait des calculs et pour le coup, selon moi, le NFT le plus rentable devrait être celui de Apex. Pourquoi celui de Apex Parce que Apex est une plateforme comme Bit, mais totalement décentralisé, du coup, c'est du trading futures. Et ce dernier va distribuer 150 000 tokens Apex, ok. Des ES Apex. Et j'ai fait des calculs pour vous montrer le token ES Apex. Il y en a 150 000 qui devraient être distribués à 3%, parce que la rareté du bandana est d'environ 3%. Ça fait 1159 personnes. En gros, d'après mes calculs, toutes les personnes qui ont ce NFT là devraient recevoir 120 Apex, sachant que le Apex est coté à 2 dollars. Bref, ça vous fait des tokens Apex gratuitement. Pour tous ceux qui veulent d'autres protocoles comme Izumi, Izumi qui est un échangeur décentralisé, pas de futures ou d'effets de levier sur le coup, mais décentralisé qui peut être intéressant. Vous avez Agni, vous avez d'autres, vous pouvez aussi vous renseigner et ça, c'est encore d'actualité. Donc si jamais vous avez un peu de budget pour acheter des NFT, comme le Mental avec le Bandana ou d'autres, je vous invite à vous renseigner et voir qu'il y en a pas mal. Et du côté de Mental, cet afflux de liquidité, donc le airdrop des MG Miles et du NFT, va rapporter beaucoup de monde et surtout pas mal d'argent parce que ça va être intéressant de recevoir des tokens totalement gratuitement en ayant ce NFT. Sachant que ce NFT là, je peux le revendre pour 225 mental. Et toujours dans cet aspect-là, est-ce que le mental est intéressant à l'achat d'un point de vue analyse technique Ok parfait donc sur le graphique, hein, c'est comme les données présentes que l'on a analysé. Il n'y a pas beaucoup d'historique. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant à relever, c'est qu'on a clairement une structure haussière. C'est vraiment intéressant. On a vraiment des points bas de plus en plus hauts, avec à chaque fois un retour dans les blocs. Car voilà, pour le préciser, dès lors que nous avons un mouvement haussier, vous savez, le marché ne pas monter de manière infinie en ligne droite. On revient à chaque fois dans un bloc haussier. Donc là, par exemple à ce niveau-ci, ce n'est pas du tout intéressant d'acheter. On entend un retour dans ce bloc. Une accumulation avant d'acheter, tout simplement, c'est exactement ce qu'on a actuellement. On a un retour dans un joli bloc baissier, donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, en cas d'accumulation et vraiment de création d'une structure haussière en LTF. En plus, petit time frame ce serait vraiment extrêmement intéressant. Ok, merci beaucoup. Pour le coup, vous le voyez, le mental est intéressant à l'achat dès à présent. En plus de toutes les opportunités airdrop qui nous sont offertes, on a aussi une opportunité d'une valorisation de cette crypto-monnaie là. Voilà donc tous les projets layer 2 que je voulais vous partager avec toutes les opportunités qui, selon moi, étaient intéressantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au composite man. Et tous ceux qui veulent vraiment se former à l'analyse technique, quelle est leur solution le composite man selon toi? Donc vraiment l'analyse technique, c'est vraiment ultra important, vraiment, selon moi. Se former vraiment les prochains mois, c'est ultra, ultra important. Pour avoir une compréhension globale du marché et une vraie expérience à vraiment tout comprendre, ce que le marché fait et ainsi optimiser ses gains, selon moi, il faut absolument se former, vraiment c'est mon avis personnel, mais soit février, soit mars, en tout cas avant le halving, avant avril tout simplement. Et beaucoup de gens se demandent s'il faut commencer par l'aspect fondamental, par l'analyse technique. Comme vous savez, l'aspect fondamental est extrêmement important pour sélectionner les crypto-monnaies. Mais nous, vraiment, on a créé avec Iles vraiment un accompagnement complet, ok, vraiment un mentorat complet, une école complète, un accompagnement. Durant non pas un mois, ni deux mois, ni trois mois, mais durant un an, pour vraiment vous tenir hein, vraiment et avancer main dans la main ensemble. Donc, le but vraiment, c'est de vous mâcher le travail, on vous mâcher l'aspect fondamental. Ok, vous marchez vous mâchez l'aspect fondamental. On vous a donné nos crypto-monnaies dans lesquelles on investit. On a également un défi en cours qui était de passer de 500 à 10 000 euros. On a réussi euh, ce défi. On est actuellement à 10 000. Donc, ce qu'on a fait, vu qu'on s'attendait à une chute des crypto-monnaies, on a retiré nos gains vraiment en ce moment. Le but vraiment, c'est de repérer et de recruter les meilleurs élèves, car on est vraiment en plus de cela en live chaque week-end, environ deux heures, hein, c'est souvent le dimanche. Le but vraiment, c'est d'être le plus optimisé possible et vraiment réussir un maximum à vraiment aider nos élèves, ok Donc le but vraiment c'est d'être en live chaque week-end avec maximum une dizaine de personnes. On a mis en place des appels où c'est nous-mêmes qui répondons, donc pas des closers ou quoi que ce soit. C'est le composite man et moi-même qui répondons à toutes vos interrogations et le but réellement de cette école c'est du coup de vous apprendre l'analyse technique mais surtout de vous accompagner pendant une année, vraiment une année. Et les retours sont plutôt positifs, vous avez les avis disponibles sur notre site et c'est toujours agréable pour moi et le composite man d'avoir affaire à des élèves qui sont motivés, qui veulent réellement se former. Donc euh, pour le coup, l'école d'analyse technique jazet Composite pourrait être une solution si jamais ça vous intéresse de devenir à l'aise avec vos graphiques. Certains me demandent également quels sont vos, euh, vos objectifs, hein, quels sont vos performances, les performances que vous attendez durant le bull run. Comme vous avez vu, hein, certaines, certaines crypto-monnaies que, que nous avons partagées, on fait un x10, d'autres ont fait un x5. Donc imaginez-vous à l'exemple est très simple. Si je fais un x10, je récupère mes gains, je réinvestis dans les crypto-monnaies qui a fait un x5, 5 x10, 5 50. Donc on peut vraiment avoir des performances incroyables. Mais bon, ne soyons pas vraiment trop optimistes, car il y a aussi beaucoup de gens qui nous rejoignent. Et vraiment, le but c'est d'être accessible à tout le monde. Donc vraiment ce que l'on vise comme on a dit un 500 ou 10 000 donc c'est un fois 20 si vous avez 1000 le but c'est d'arriver à 20 000 si vous avez 10 000 le but c'est d'arriver à 200 000 etc donc on vise en tout cas les 200 000 le but vraiment c'est de vous former durant un mois de manière intensive avec ce qu'on appelle un ebook qui fait 187 pages on vous forme vraiment de A à Z ensuite vous avez accès à ce qu'on appelle l'évaluation donc c'est vraiment un QCM qui est composé de 20 questions pour vraiment reprendre les 20 points essentiels des SMC et vraiment vous aider un maximum vous avez ensuite un groupe d'entraide où le but est vraiment que les anciens élèves puissent vous aider que vous-même vous devenez très bon que vous puissiez vraiment être reconnaissant aider les nouveaux et que ça passe une sorte de spirale positif. Vous avez ensuite accès à des lives chaque week-end, donc durant deux heures. Et je vous incite vraiment à aller voir le prix des coachings personnalisés en live en petits groupes. C'est vraiment exorbitant. Donc nous vraiment tout ça est compris dans le pack. Et on a vraiment l'offre promotionnelle, Je ne sais pas quand est-ce qu'on va la clôturer. Mais en tout cas, je pense que si vous nous rejoignez fin janvier, début février, en tout cas jusque fin février, grand grand maximum, vous pourrez nous rejoindre. Après, ce sera plus intéressant. Mais vraiment, le but c'est vraiment d'accompagner les élèves durant le euh, temps que le marché est bas. Ça ne vous intéresse pas d'accompagner des élèves dès lors que le bitcoin sera à 90 000, 100 000 dollars. T'intéresser former de manière vraiment ultra sérieuse et Comprendre le marché. Donc, n'hésitez vraiment pas à soit nous rejoindre directement et être sûr d'avoir votre place ou soit un polypsceptique et réserver un appel avec nous. C'est nous qui vous répondrons pour vraiment vous aider et vous aiguiller un maximum pour vous apporter vraiment la solution adaptée à votre profil. Voilà, on va donc clôturer sur ces très belles paroles. Merci le CompositeMA d'avoir intervenu sur cette vidéo et je vous annonce à l'avenir, on aura beaucoup plus de collaborations qui devraient arriver car ces vidéos-là, plutôt longues et plutôt pertinentes, me semblent très intéressantes de manier analyse fondamentale et analyse technique. Et pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin, on vous donne un code de moins 40% pour rejoindre l'école d'analyse technique. GHZ Crypto 20 utilisation à vous d'en faire bon usage et moi je vous dis donc à très vite au revoir